transfert au bloc. Non, mais vous pouvez... Tout de suite. Où je suis? Détendez-vous. Je veux voir ma femme. Vous la reverrez après l'opération. Non. Non. Attendez. Non. Calmez-vous. Non. Ça s'est passé comment? Venez. Venez vous asseoir. Non. L'accusé a certes reconnu du bout des lèvres quelques petites erreurs, mais aucune véritable faute. Et on sent même que pour vous, le véritable coupable est au fond ma cliente. Et n'a donc que ce qu'elle mérite si elle se retrouve clouée dans un fauteuil jusqu'à la fin de ses jours. Mais si ma cliente est dans un fauteuil roulant aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris le volant en fumant du cannabis, dans une voiture dont vous avez jugé inutile de faire réparer les phares et avec laquelle vous avez largement dépassé les vitesses autorisées. Cet accident, c'est pas un concours de circonstances qui l'a provoqué, mais un cumul de fautes. De vos fautes. Qu'est-ce que vous lui avez mis ? En même temps, un accident de la route... Ça n'a rien de personnel. Bien sûr. Votre portable, vous avez reçu un appel de votre père. Mon père ? Bonjour, monsieur. Il vous attend. Comment va-t-il? Très bien. Ah bon? Bah, comme il voulait me voir en urgence, je pensais que c'était pas bon signe. Où est-il? Dans le jardin. J'ai mis un couvert pour vous. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je préférais te parler en face à face plutôt qu'au téléphone. Je voudrais que tu me rendes un service. Bernel est passé me voir ce matin. Ah. Pourquoi? Il y arrive un seul coup. De quel genre? La femme d'un patient décédé, alors qu'il l'opérait en urgence, veut le traîner au tribunal. Elle l'accuse d'avoir commis une faute grave lors de l'intervention.